Salut, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce soir, je vais vous faire une toute petite vidéo concernant la suite de la saisie des charges liées à l'exploitation de l'entreprise. Compte tenu de la vidéo précédente, je vous ai montré comment est-ce que on fait la saisie des charges variables telles que l'électricité et l'eau. Dans la présente, je vais vous faire la suite. Donc ici, j'ouvre ici le fichier Excel. Ici, on a les charges fixes. Ici, les charges fixes, nous avons l'assurance. Et en ce qui concerne l'assurance ici, cela va dépendre de votre souscription d'assurance. Si vous souscrivez une assurance annuelle et vous payez, cela va dépendre de votre souscription d'assurance. Si vous souscrivez une assurance par an, cela dépendra de vous. Parce que ici, au niveau de l'assurance, vous pouvez souscrire à une assurance annuelle et puis faire les paiements de façon mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. Mais ici, tout qu'on fait, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut comptabiliser cette charge dans notre comptabilité ici. Donc, compte tenu de l'assurance, comment est-ce qu'on va enregistrer? On a un montant total de 300 000. 300 000, nous allons payer ça par trimestre ou par semestre ou par mois. Ici, bon, si on prend par semestre, on va diviser ce montant par 2. 300 000, ça va donner au moins 650 000 chaque semestre. On va diviser ça par 2 et payer 150 000 chaque semestre. Donc ici, au niveau de notre fichier Sage Comptabilité, on vient dans traitement, l'onglet traitement, journaux de saisie, journaux de saisie, et on va prendre les 6 premiers mois. On va faire le règlement en G. Dans l'opération diverse ici. Si vous voulez, vous constatez en même temps à la date du règlement ou vous constatez dans le mois de janvier et puis faire le règlement en J. Tout compte fait. Ce qui est important ici, c'est de constater la charge et son paiement. Donc ici, si on vient à la date du 10 par exemple, 10, on constate et puis on règle. Ici on met assurance. On met assurance. Et ici cela va dépendre. Comme il existe aussi plusieurs types d'assurance, mais ici on va prendre assurance au transport. Assurance transport. Assurance transport. Assurance transport. Et son numéro de compte ici, bon, le numéro de compte des assurances commence à partir de 62,5. 62,5, si vous voulez avoir plus de détails, vous faites entrer. Ici, on a prime d'assurance, assurance multi-risque, assurance au matériel de transport, assurance sur assurance, 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 insolvabilité client. Vous voyez, voici le numéro de compte des différentes assurances à laquelle vous souscrivez. Ici, donc, on va ici de l'assurance du matériel de transport. On va mettre 2 en tabule. Assurance du matériel de transport. Et on met ici. Voici, vous voulez vous mettre première fraction. Vous mettez ici première fraction. Bon.
ça va pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au tableau, on met les 150 000. On fait entrer. Et au tableau, on fait le règlement en même temps. Par la caisse, ou bien la banque. Ça va dépendre de votre disponibilité. Et on fait entrer ici. Et voilà donc enregistré notre charge liée à l'assurance. Donc après cela, nous allons sur la charge liée au loyer. On paye chaque mois, à la fin de chaque mois, on paye 70 000. On paye 70 000. Comme vous voyez, c'est trop. C'est quand même élevé. Un peu le loyer pour le mois de janvier, de janvier à décembre. Et chaque mois, vous constatez la charge ainsi que le règlement jusqu'à ce que vous finissiez l'année. Donc ici, on va prendre le mois de janvier au D aussi. On va constater ici ce que c'est payé à la fin de chaque mois. Bon, pour un bon locataire. Ici, on prend loyer, comme loyer, on va prendre ici janvier, janvier, on met 62, location du bâtiment, tabule, on va mettre 70 000, et chaque mois où vous allez passer cette écriture, jusqu'à ce que l'année finie. On met 500 stable, fait, équilibré, entrée. Voilà, ainsi donc, ceci prend. Et on vient là, on fait la balance. Et vous voyez la charge ici liée à l'assurance. L'assurance 150 000 et la première fraction et le loyer 70 000 francs.